que craquer. Ma fille avec un gamin comme ça, mais elle préfère Neymar, tout ça, là. J'aimerais savoir quel est ce titre en latin, non? Ça veut dire poucave dans le side bébé. Non. Pulcraes amica mea. Oui. Tu es toute belle, mon amie. C'est un compositeur norvégien qui s'appelle Ola Diello, qui est contemporain, puisqu'il a une quarantaine d'années. Ah, c'est dingue, quelque chose de très moderne, en fin de compte, et non pas quelque chose de moyenâgeux. Complètement. Déjà, je voudrais dire, il est très difficile de chanter à l'unisson. Vous étiez deux ou trois toujours à être sur les mêmes notes. Et ça se voit que... Bah, votre lien, c'est votre famille. Et c'était très, 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 très juste. Et souvent, il faut être très nombreux pour arriver à la justesse, parce que ça s'entend. Vous pourriez tous être solistes, je veux dire, par là. Je suis très heureuse de vous avoir tous entendus. Ah, merci. Vous êtes l'image de l'harmonie, autant vocale que familiale. Et il faut beaucoup d'entente et de passion commune pour monter une aventure comme ça. Et vous pouvez être fiers parce que ce que vous nous avez proposé là, c'est magnifique. Toi, mon petit ange, tu nous as éblouis avec ce petit moment de grâce. J'ai adoré, vraiment. Merci beaucoup. Merci. Et quand je vous ai vu monter sur scène, il y en a qui n'avaient pas l'air contents d'être là. Est-ce que les enfants, vous êtes ici de votre propre gré ou il faut appeler la DAS? Parce que je me suis dit, OK, on va se faire chier. Mais en même temps, c'était vraiment bon. Je ne m'attendais pas du tout à aimer ça et j'ai aimé ça. Donc ça, c'est déjà un très bon compliment parce qu'on partait de loin et j'étais très, très impressionné. Tant mieux. Ouais. Écoutez, vous l'avez senti, j'étais parti dans une énergie très moqueuse, dans les clichés de Versailles, des cathos, des grandes familles, etc. Et vous m'avez complètement cueilli. Voilà, vraiment, j'ai frissonné. Vraiment. Et franchement, mon ta voix est absolument délicieuse. Vraiment, j'ai eu des frissons. Et de vous sentir tous ensemble autour de ton solo, mais j'ai trouvé ça magnifique. Et c'est vrai que ça me donne envie de faire partie de cette famille. Voilà. On vote, les amis. Voilà. Un, deux, trois. Oui. Oui, ça fait quatre oui. Quatre oui. Bravo, les amis. Merci, au revoir. Bravo, Mamounette. Ne t'envole pas, mec. Ne t'envole pas. Reste avec nous. C'est génial, c'est qu'on les a tous conquis. C'était pas bien parti quand même. Ouais, c'est un peu moqueur. Hein. Ah oui, en fait, c'est vrai. Mais justement, c'est encore mieux. Justement, ils ont fait un truc nul. En fait, c'était super. Je suis vraiment just a body you see.
Versailles est dans la place. 7-8 représente. J'ai vraiment énormément aimé. Toujours, je suis très émue. Bien évidemment que des groupes vocaux, des octuors, et même plus, on en a souvent entendu avec de très belles partitions. Mais je ne sais pas pourquoi chez vous, il y a quelque chose en plus. Je voulais saluer le grand-grand-fils, le premier-né, qui nous avait habitués à sa voix de baryton basse et qui, bien évidemment, a une voix de contre-ténor magnifique. Merci, merci. Écoutez, les Versaillais, chaque fois, vous nous décapsulez le cœur. C'est magnifique. Bravo. Alors, moi, ce qui me touche vraiment, c'est que vous êtes vraiment heureux d'être en famille. Moi, ce qui me gêne d'habitude, quand je vois des trucs comme ça, je me dis, ouais, ils forcent un peu les enfants, des choses comme ça. Et là, ça se sent que vous êtes tous ensemble et que vous donnez à chacun sa place. Et du coup, vous êtes vraiment beaux tous ensemble. Jeune homme surprenant, vraiment. Je te vois, j'ai l'impression de regarder Twilight et d'un coup, tu me fais une voix. Mais de fou, c'est génial, vraiment. Je trouve que vous avez une très belle famille. Vive Versailles. Pour moi, il y avait une note qui manquait. Vous voulez pas avoir un autre enfant? J'aimerais bien, hein, mais moi, il nous réclame tous les jours, mais bon. Vous savez, c'est pas tout de faire des enfants, il faut les élever. Alors, 6 enfants, c'est beau déjà. Oui. Hein. D'habitude, on voit ce casting, les gens vont dire « Ok, Samy va faire des vannes ». Et honnêtement, c'est rare de ressentir ces frissons qu'on ressent. Vous savez, juste là. Et je pense qu'on les a tous ressentis, le public les a ressentis. On s'est tous levés tout de suite. Écoutez, ce genre de musique, c'est pas supposé d'être ma cam. Et pour moi, la barre est là, grâce à vous. C'est ce que j'allais dire, ouais. C'est pas ta cam. C'est le meilleur compliment qu'on peut avoir. Voilà. Parce que, ouais. Merci, c'est ça qui nous touche beaucoup, c'est que c'est une musique, effectivement, que nous, on adore, mais que peu de gens connaissent, et que ça vous touche comme ça. Ben, ouais. Merci vraiment du fond du cœur. Moi, je suis juste touché, j'ai vu les larmes poindre au coin des yeux de Marianne et, oui, aussi, et ça m'a mis tout de suite les frissons. On dit souvent, on ne choisit pas sa famille, mais moi, je pense que si vous pouviez vous choisir, vous le referiez, je crois. Ouais. Ouais. S'il gagne 100 000 euros, ça va être la bouffe pour un mois. Pour... Ah. Et dernière chose, bravo pour le choix de Leonard Cohen aussi, oui. De Alléluia. Ah, oui. Et dernière ah, chose, ouais. Ça y est, je t'ai reconnu, Hermione, tu as quitté Harry Potter. Eh oui, ça ah, ouais, on a tout le monde, oui. Twilight. Merci beaucoup la famille Lefe. Oh.